J'ai eu la chance, en fait, ces trois dernières années, de pouvoir me consacrer à la photo, qui est une de mes passions. Je suis très attiré par la lumière qui interagit avec les visages, mais aussi les paysages, tous les objets, et qui provoque, en fait, de l'émotion. C'est une grande force de symbole pour moi. Je m'appelle François Rio. J'habite une petite ville qui s'appelle Mordel, en fait, qui est à l'ouest de Rennes. Au début du projet, j'ai rencontré des artistes alternatifs qui, c'est le laboratoire à Rennes. Avec eux, je leur ai suggéré de travailler avec moi sur le projet, de devenir acteur. Je respecte la scénographie des tableaux du peintre avec son éclairage. Je réinterprète les tableaux sur le thème de la douleur, des violences de la société, tous les maux en général que nous vivons. Jérôme Gagnère, le proviseur du lycée Chevrolier à Angers, accompagné de deux professeurs qui sont Valérie Letourneux et Karine Newell, m'ont invité chaleureusement à venir exposer ici au lycée ma série Ravage. Alors toute l'équipe pédagogique s'est joint à cette expérience et ont travaillé avec les élèves qui sont venus voir l'expo. Les échanges avec les élèves ont été extrêmement riches, variés et parfois inattendus. J'en profite pour remercier vivement toute l'équipe qui m'a permis d'exposer ici et surtout d'avoir eu cette expérience avec les jeunes, les élèves. C'est vraiment une expérience qui peut être renouvelée dans d'autres établissements.